Ah, une fois qu'il sera moulé, oui, il va être détruit. Il va être tout détruit, c'est fait. Complètement, ouais, absolument. C'est le carnaval. Stéphane, où il est le bras là? Le même que ça. Et, il est là-bas, Gilles. Il est là-bas. Oui, vous êtes embêtants tous les deux. Oh là là. Alors vous faites partie d'une famille qui a toujours fait le carnaval. Ah ouais, ouais. De tout temps, mon grand-père, mon père, mon oncle, moi. J'ai mes deux enfants maintenant. Et j'ai des petits-enfants. J'espère qu'ils le feront aussi. Même en part à la passion. Hein. Même s'ils ont notre travail, mais venir aider leurs parents, ils viendront. Ils aiment parce qu'ils viennent de temps en temps. Ils donnent déjà, c'est des petites mains, comme on dit, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait combien de temps que vous faites le carnaval? Oh, c'est pas de hier, hein, c'est d'avant-hier. Eh, ça fait minimum 55 ans. J'ai 63 ans, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à aider mon pauvre père. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Plus de 30 ans que je fais carnaval. Plus de 30 ans. Que je suis carnavalier. Hein. Et combien vous avez fait de carnaval? Oh, pauvre. On ne peut pas le compter. J'ai pas assez de mains, de pieds et d'idées. Je ne me rappelle pas. J'en ai trop fait. Ah, ça fait au moins. Ici, 55. Après, tout ce que j'ai fait dehors, j'en ai fait. Hein. Le carnaval de Nice est beaucoup plus ancien qu'on le croit. Il apparaît au Moyen-Âge, en 1294, quand le comte de Provence vient rendre visite à sa bonne ville de Nice. Et du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, le carnaval se déroule à nos pieds, dans la vieille ville. Et il s'agissait surtout de bals, de mascarades, dans les quatre places principales de la ville. Et le soir, on allumait des petites bougies pour permettre aux gens déguisés de danser dans les ruelles étroites du Vieux-Nice. Et puis, en 1830, au 19e siècle, le carnaval change. Il descend sur le cours Saint-Léger parce que cette année-là, en 1830, arrive le roi de Piémont-Sardaigne, qui était le patron de Nice, et en son honneur, on fait un défilé avec des calèches et des gens déguisés. En 1860 arrive l'impératrice de Russie qui vient passer l'hiver à Nice avec tout son entourage et cela va complètement transformer le destin du carnaval niçois qui va devenir à la fois le carnaval des Niçois, de la piétaille, mais aussi de l'élite, de tous ces riches hivernants étrangers qui s'amusaient follement à participer au carnaval et à faire ces prodigieuses batailles de confettis. Et il le faisait au cours Saint-Léger, notamment tout autour de la place de la préfecture et du café littéraire Visconti. Et c'est de là que part le carnaval actuel, avec son défilé de chars et de grosses têtes. Ça va ? Et là, elle ne me le bouge plus, on ne va plus être bon. Et ça, c'est pour les troupes de rue, tout ça, on prépare des plateaux, parce qu'après, il y a des animations dessus et tout. Ah ouais? Et que vous faites ou pas? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on en fait, hein. Ah. Il faut... Ne t'embête pas au millimètre, c'est pas... La pelouse, ça pousse de partout, hein. On ne voit pas la progression de la construction du char, mais c'est là où le travail est vraiment, vraiment conséquent et important, et il y a la passion derrière. C'est ce qui anime tout le monde, sinon ça ne sort pas. Quoi. C'est sérieux, mais c'est ludique en même temps. La façon est sérieuse, mais la raison est ludique. Oh, c'est l'ambiance, c'est la... en permanence, il y a 100 nouvelles choses à faire, c'est jamais pareil, c'est à chaque fois de nouveaux défis. Ouais. Et puis une ambiance particulière. Hein. C'est parce que ça permet d'être un petit peu plus fou que dans la vie courante. Et de permettre, par exemple, au niveau des costumes que nous faisons, de faire des choses qui ne sont pas portables dans la vie. C'est une espèce de rêve. On peut aussi bien faire des monstres, des fantômes, que des petites fées, que des personnages imaginaires. Quand j'étais facteur, on faisait deux tournées dans la journée, matin et soir. Donc je finissais tard, je finissais à 5h30, ma femme ne me voyait plus. J'étais déjà à Réquenet, en train de peindre les chars. Ah oui, dimanche, jour férié, la nuit et tout. Des fois, 2h du matin, j'étais encore là, puisqu'il fallait finir. Mais il m'est arrivé que le char du roi est parti,
et que je n'avais pas fini de peindre. J'étais sur le char que je peignais, et lui, il avançait le soir, il partait déjà. On les courait après, nous, pour peindre. C'est magique, voilà, ouais. C'est ça qui est intéressant. Bah, de créer, surtout, de créer, de créer ouais. Parce que rire, ça fait... Et les gens, quand vous sortez votre char ou quoi, de voir comme ils sont contents et tout, pour nous, c'est notre plaisir. Hein. C'est notre... Moi, je suis né pour ça, bon. Je suis né un Mardi Gras, hein, en plus, ne l'oubliez pas. Ah, bah alors là... C'est vrai? C'est vrai? Ah ouais. Je suis vraiment né là-dedans. Oh, moi, ouais. Je veux m'en aller les pieds en avant de là-dedans. Hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est comme ça. Hein. Ben oui, ça nous met tous en joie. Et puis, moi, ça fait la quatrième année que je m'occupe du carnaval. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai qu'en 4 ans, j'ai attrapé un peu le virus, quoi. Salut, tu vas bien? Mes parents détestaient le carnaval. Ma mère, c'était le supplice de m'emmener une fois par an au carnaval. J'étais sur l'avenue Félix Faure. J'avais juste la tête qui dépassait derrière les barrières et dès que les chars passaient, on s'en allait vite. Je savais que je voulais faire ça. Elle n'a pas pu aller contre ma passion puisque c'était vraiment... Je faisais que ça, j'avais envahi la maison de chars miniatures, je travaillais sur la table du salon, j'avais la chambre, on ne pouvait plus mettre un pied devant l'autre, c'était des chars de partout, sur les tables, sur les étagères. Chaque année, je me fixais un thème donc, qui était différent du thème du carnaval officiel. Je développais une parade de 10, 15, 20 chars que j'exposais après chez les commerçants. Donc j'ai découvert plein de matériaux, j'ai utilisé des terres, de l'argile, de la terre glaise. J'ai même utilisé des produits complètement insolites, quoi, comme la pâte à fixe pour coller les posters sur les murs, pour faire des éléments de sculpture. Puis voilà, j'ai appris vraiment sur le tas, quoi. Et donc j'étais amené donc, à partir de là, pour pouvoir monter ce char, à me rapprocher de Cédric, qui était le carnavalier dont je me sentais le plus proche, déjà par l'âge et par les discussions qu'on avait eues deux, trois fois quand je venais leur rendre visite dans le hangar avant le carnaval. Et donc je suis venu lui filer un coup de main au début, on a un peu parlé, et puis je suis resté finalement. Et au final, il m'a embauché, et ça fait le cinquième carnaval que je fais avec Cédric maintenant. Peu de gens vont dire dans le carnaval il y a de la création parce que mais personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte, mais on s'en rend pas non plus compte du travail des carnavaliers, ouais. De toute la chaîne que ça représente du début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie d'un char. Personne ne s'en rend compte. Pour eux c'est tout à fait naturel de voir un char sortir, mais c'est un travail qui est ça part du 2D, du papier. Jusqu'au volume, jusqu'au 3D fini, quoi. Et c'est une véritable création. Ce qui manque un peu à Nice, et qu'on devrait avoir un peu plus, c'est que les gens viennent visiter, mais c'est difficile, vous voyez, dans les conditions où on travaille, mais parce qu'ils comprendraient mieux ce que c'est le carnaval. Parce que, c'est du carton-pâte, non, mais vous le voyez vous-même ce que c'est le travail. Il y a de la ferrure, il y a de la soudure, il y a des tissus, il y a tout. Et on essaie toujours d'amener des nouveautés. Le peu de gens qui viennent ici, ils tombent des nues parce qu'ils ne pensent jamais ce que ça peut être le carnaval. L'idée qu'on a développée, c'est de créer un nouveau char pour la reine de la bataille des fleurs. C'est une structure un petit peu extravagante, avec un thème cette année, mettre la reine sur un pan. Techniquement, c'est très fort. C'est très fort et certains ne sont pas sûrs que... les Niçois soient capables de réaliser telle chose, et moi je dis que oui. C'est un char qui va pouvoir pivoter sur place, aller de marche avant, marche arrière. Il va y avoir un machiniste à l'intérieur, dessus donc notre silhouette de pan, et sur la silhouette, assis en Amazon, on va retrouver la reine carnaval. Chaque roue est indépendante et a une motorisation indépendante, oui. Et ça sera manié par joystick. Et en sécurité, bon, y a deux freins à disque. Au fur et à mesure, il règle les problèmes techniques, quoi. Enfin, c'est bien parti, là. Le bas de la tête du roi. Ouais, absolument. Les morceaux, ça semble.
Et après, elle ira sur le char à la fin, le dernier jour, puisqu'il n'y a pas la place en fait pour sous le toit pour mettre la tête. Ouais. Comme ça, tu prends bien les retouches, pour que ça soit joli. Oui, ce que j'imaginais. Hein. Ah, tu n'avais pas vu ? Non. Bon. Mais c'est extrêmement travaillé comme costume, non ? Ah, cette année, oui. Ouais. Là, on travaille beaucoup, beaucoup la broderie, effectivement. On travaille énormément les appliqués. On a utilisé surtout beaucoup, beaucoup de matière. Vous avez une totale liberté dans les costumes ? Presque. Il y a des dessins et des... Quelquefois, mais pas souvent. Pas souvent. Pas souvent. Donc comme ça, c'est très bien parce que ça permet libre cours à l'imaginaire et puis bon, à une recherche quand même parce que tout n'est pas pondu comme ça. Dieu, c'est pas le bon Dieu qui vous envoie les choses toutes faites. Donc si vous travaillez pas un minimum sur les matières et sur de la documentation, bon ben, il se passe rien. J'ai été mannequin pendant 25 ans. Oui. Et puis bon ben, l'âge venant, il faut faire autre chose. Ouais, moi je travaille à partir d'une maquette comme ça, ouais. Que je coupe au fur et à mesure, et avec ça j'ai mes plans, comme ça. Et après, donc, tu fais tes dessins. Voilà. Voilà, moi je me découpe, là je vais me faire ce niveau-là, et savoir exactement ce que je dois faire. Ça, ça fait 1m20. Chaque fois l'unité est d'1m20. Il y a une dernière hauteur, ça fait 4 fois 1m20. 4m80 plus une hauteur de menton en plus. Et bien, je vais faire mes plans, la suite des plans, le bas de la tête. Je continue. Alors là, le plan est utile pour les gros volumes, oui. Mais sinon le reste, il n'y a pas de plan. Hein. Tous les autres têtes, il n'y a pas de plan. C'est fait, c'est fait comme ça. Il y a un profil, puis c'est tout. Hein. Je me sens un profil. Non, moi je suis venu pour toute autre chose, puis finalement la vie niçoise m'a bien plu. Et nous, pourquoi ? J'avais monté une boîte d'informatique en 96, ouais. À l'époque de la bulle informatique. Puis c'est bien être opportuniste, mais au bout d'un moment, c'était pas mon truc. Hein. L'ordinateur. Donc tu es informaticien ? Non, mais opportuniste, oui. Dans le sens, non, je faisais de l'image de synthèse, donc j'étais directeur artistique. J'avais monté une boîte et je suis directeur artistique. Co-gérant, directeur artistique. Et ce que tu fais là, tu pourrais le faire sur un écran et sur un ordinateur. Ah, complètement, mais c'est ce que je faisais plus ou moins. Hein. Presque, quand on voit les carreaux comme ça, ça rappelle les maillages d'un modèle en 3D. Hein. On y est presque. Hein. Ouais. Donc la démarche est plus ou moins la même pour moi. Hein. Ah ben on commence, hein. On commence. Non mais ça va, on a encore le temps. On est pas... ouais. De voir des choses qu'on ne devrait pas voir, c'est tout. Ouais. Malheureux, c'est ça. On veut mettre un gros coup de bourre sur 2-3 chars, ouais. Qui, pour les préparer pour la peinture avant de repartir ensuite sur la sculpture des derniers. Ouais. Voilà. Faut qu'on avance parce que l'échéance se rapproche un petit peu. C'est bien passé, nickel. Ça roule au top, ça roule. Alors, nickel. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Maintenant, il revient pour la peinture. Ah, ouais, la peinture maintenant. Et la reine, elle a essayé quoi. La reine a essayé, ça a été impeccable et tout. Tout s'est vraiment bien passé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Comme quoi, on peut être carnavalier et pas avoir de problème. Non, le truc, on n'a pas besoin. Allez. Alors vous allez les habiller comment ? On va la peindre. Après l'habillage, ce sera les fleuristes qui s'en occuperont. Ah ouais ? Ouais. Comme c'est la reine des fleurs quand même.
Ça a bien marché? Mais allez, hein. On a toujours la fièvre. Le chanteur? C'est la fièvre. Viens, l'Imagne. Eh, ça y est, on est en train de plier, de nettoyer pour demain préparer le travail à la place aux autres qui vont crafter, qui vont poser le papier et qui vont finir le travail de la tête, l'animer pour l'animer. Ben, c'est content d'avoir fini dans les bons délais, parce que ça aussi que ça ne dure pas 3 semaines ou 4 semaines pour faire juste une pièce, il y a tout le reste à faire. Exactement, bravo. Alors comme c'est trop grand pour rester dans l'atelier de carnaval, la tour Eiffel, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand elle rentre dans l'atelier, il la baisse et les chars sortent dehors, tu vois? Le soir du carnaval, c'est quand même quelque chose de très stressant. On se dit toujours, bon, on a 1200 enfants, on en prend 1200, deux, on rend 1200. J'ai un retour de la part des enfants, de la part des enseignants, de la part du public aussi, qui trouve toujours que cette soirée est la plus réussie de tout le carnaval. Donc malgré tout, c'est valorisant, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui participent. Donc c'est vraiment très agréable, quoi. Je dessine un profil, celui qui est sur le au carreau là. Je dessine le profil et après on découpe au fil chaud le profil, face profil. Oui. Ça me donne un volume et à partir de là je retravaille. Ça me fait un gain de temps énorme quoi. Ça me permet d'avoir déjà les formes. Je n'ai pas besoin de les chercher en tronçonnant. Allez, doucement dans l'arrondi. Tu arrives au 20, c'est ça? Attends-moi, j'y suis pas encore. J'y suis. On y va? On y va? On y va? Et on va en fait ouvrir la boîte. Tu mets dans... Alors c'est tout bête, mais ça fait toujours un bel effet. Et en fait, il ne reste plus qu'un noyau central qui correspond à ce dont j'ai besoin pour travailler. Voilà. Correspondrait un petit peu à ça. Une face et un profil. C'est le dernier préparatif, dernière mise au point. Après moi, trois câbles, on met trois anneaux. Je vais mettre trois ancrages à 120 degrés. On met des ancrages à 120 degrés. En haut, ça prévoit les câbles. Et si on a un avis de vent, qui prévoit les câbles. Trois câbles de j'étais tout à l'heure, justement, entre midi et deux, avec les carnavaliers qui sont en train de construire les chars juste à côté d'ici, hein, parce que vous savez que la maison des carnavaliers, le grand hangar où ils construisent les chars, se trouve juste à côté de votre école. Alors j'ai vu un petit peu où en était la construction des chars, et tout est bien sûr très avancé, bah, heureusement, hein, puisque ça commence vendredi. Alors le char du roi, ce char du roi que vous allez accompagner pour sa première sortie vendredi soir, j'ai vu, alors il n'est pas complètement terminé, mais il est extraordinaire ce char. Alors il a plusieurs choses qui sont assez extraordinaires. C'est déjà au niveau de la tête de ce roi, du visage de ce roi. On voit déjà sur le dessin du dessinateur italien Paparelli
que la tête, elle est grande hein, par rapport au corps. Vous avez vu comme cette tête est grande par rapport à la taille du corps. Les carnavaliers, quand ils ont construit le char, ils ont encore accentué cette disproportion, c'est-à-dire ils ont fait vraiment une tête très, très grande par rapport au corps. Alors, ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais la tête va faire 5 mètres de haut. 5 mètres de haut, en gros, c'est une fois et demie la classe. Subir simplement un carnaval sans en être les acteurs et sans voir le travail que ça suppose derrière, ce serait un peu dommage. Oui. Donc c'est là, c'est les spectateurs de demain, hein, c'est eux qui vont grandir, c'est eux, c'est une tradition. Et il faut expliquer les traditions et les maintenir. Jusqu'à samedi, hein. Le roi, non, vendredi. Vendredi, hein. Donc, un jour et demi, quoi. Ouais, un jour et demi. Eh, mais c'est comme je suis pas assez grande, moi. Il faut que je joue avec les... l'avant et l'arrière. Ah, et c'est pas toujours le plus facile là. Ah ouais, ça c'est pas évident. Ça. Alors, allez. Tu veux faire ça ? Alors, tu vas te mettre là. Parce que tu vas peut-être te tenir les fleurs si j'arrive à le tourner. Attends. Hein. T'es pas gagné encore. Hein. Si elle tombe, après je suis embêtée. Hop là, c'est bon. On est parti ? Alors, c'est parti, Cathy. C'est pour le char de la reine ? C'est pour le char de la reine, oui. Faut qu'elle puisse se tenir. Je suis ravie parce qu'en plus avec les fleurs c'est magnifié et puis voilà quoi, c'est 4 mois de boulot qui aboutit, c'est vraiment bien, je suis heureuse là, ouais, je suis vraiment contente. Voilà.